On se retrouve là cette fois-ci pour une sortie après-midi pour des tests de Bunny Choco. De façon, je vous montrerai donc comment on fait. Et puis ensuite, je vais. Le but principal est aussi pour présenter le nouveau nom de ma chaîne, enfin de notre chaîne, à Axel et moi. Donc voilà, donc pour l'instant, le feu a commencé. Voilà, donc pour vous donner une petite idée d'où je me trouve. Donc contrairement à certains qui auraient pu croire que je me trouve en pleine nature, eh bien pas du tout. En fait j'ai réunion de famille et donc du coup j'avais prévu un bivouac cet après-midi et ça a été une réunion de famille. Donc du coup ils ont une grande forêt et bah, je vais vous la montrer, c'est dans laquelle je me trouve. Donc là-bas, bah voilà, Écully, la ville. Bon, on n'est pas trop perturbé, hein. De toute façon, tant qu'il y a le feu, Bunny Choco, et que on est en Mac tranquille, qui fait beau, chaud, enfin beau, façon de parler. En bas d'un ancien fort, donc là c'est les murs du fort, qui sont, alors le premier celui-là fait 2 mètres, on va dire ça passe, et lui il fait 3-4 mètres de haut, lui je peux pas le grimper, c'est pas possible. Là-bas une tour, qui est en fait un pigeonnier. Et il continue là-bas, sur tout le long de la propriété. Et la forêt continue. Et ensuite, il a les grosses bâtisses, les châteaux, etc. Et voilà, etc. Le feu, toujours en train de se consumer petit à petit. Et puis là, le Bunny Choco, que je vais mettre à l'intérieur de la popote derrière, là. Je sais plus son nom, conseillé par Julien, c'est une très bonne popote, j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, voilà. On l'ouvre, on dépose le pain dedans comme ça. Je vais remettre le couvercle, mais avant je vais mettre un peu d'huile pour éviter que ça colle pour pouvoir démouler. Et voilà, le tour est joué après. Bon, c'est un test, je sais pas du tout ce que ça a donné. J'avais envie d'essayer, voilà. Je vous tiens informé. Je vais vous montrer maintenant une technique pour une fois qu'on est monté, qu'on a monté un mur, comment descendre sans se faire mal, sans sauter du mur. Voilà. Donc déjà, il faut y monter. Une fois qu'on est monté, on se dit zut, c'est beaucoup trop quoi, je suis monté, mais là pour descendre ça va être un peu le bordel. Donc on monte, donc voilà, on trouve un arbre comme celui-ci par exemple avec une branche qui vient vers nous. Une fois qu'on a vu l'arbre, on teste si la branche est bien solide, on s'y agrippe et c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Ça a l'air bien bon. Conclusion, c'est que ça cuit beaucoup plus vite sur un bâton, ce qui est normal, que à l'intérieur de la popote. Je voulais essayer parce que j'ai vu que d'autres bushcrafters faisaient des gâteaux à l'intérieur.
moi je me suis dit, bah pourquoi pas du pain, voilà un test hein. Donc du coup bah à l'intérieur ça frit toujours, donc je sais pas dans combien de temps ça va être cuit hein. C'est vraiment long, ou à faire sinon quand on part en bivouac toute une nuit, comme ça au moins on a bien le temps que ça cuise, ça peut être sympa. Voilà. Du chocolat. C'est très bon. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va changer le nom de notre chaîne. On va passer de Bush Naturecraft à Beercraft, puisque l'ours est un animal symbolique et que j'aime bien. Donc voilà, après on aime, on n'aime pas. Moi je trouvais ça sympa, ça faisait un espèce de... Ça faisait un jeu de mots avec Bushcraft. Au lieu de Bushcraft, on mettait Beercraft. J'ai un super accent anglais. Donc celui qui est dans ma popote, ça donne ça. J'ai l'impression qu'il va être un peu une espèce de banni choco frit. Au fond, c'est de l'huile d'olive tout autour pour éviter que ça colle. Voilà, ça cuit, bon, c'est plus long, mais ça cuit vraiment bien. J'ai hâte de goûter, voir ce que ça donne. Pour vous donner un petit peu de où je me trouve, voilà. Je l'ouvre et puis je vous montre ce que ça donne une fois ouvert. Je vous rassure, c'est du chocolat. Ça a l'air vraiment très très bon. Bon, il y a un côté qui est moins cuit que l'autre. Peut-être que ce côté-là, là, la croûte, je crois que j'ai fait trop cuire. Et de ce côté-là, bah pas assez cuire. On va voir, à tester. C'est vraiment super bon. Hein. Je vous recommande, si vous avez l'occasion d'en faire, faites gaffe à la cuisson en fait. Faut le retourner. Je pense que je l'ai fait cuire pendant une heure d'un côté. Une demi-heure de l'autre, vaut mieux gérer trois quarts d'heure chacun de chaque côté. Et l'huile d'olive autour, je me disais ça a donné un goût d'olive, mais en fait même pas. Ouais, c'est vraiment super bon. Content de mon test. Vu comme c'est énorme quand même, en fait ça fait deux grosses moitiés, que je l'ai vraiment fait gros celui-là. Je pense que le mieux c'est de faire ça, mais quand on est un ou deux, quand on est deux. Le mieux, ouais, donc du coup c'est de faire ça à deux, enfin pour deux, ou trois, voire quatre même, parce que le mien je l'ai fait vraiment gros, et je vous avoue que là celui-là je vais le manger, et l'autre bah, je vais aller voir mes frères. Je vais leur en proposer parce que ça fait un peu trop là.